Des manifestants favorables au président nigérien Mohamed Bazoum ont été dispersés mercredi à coups de tir de sommation par la garde présidentielle à l'origine d'une tentative de coup d'État toujours en cours au Niger. Selon des journalistes de l'AFP, au moins un manifestant aurait été blessé. La cause exacte de son décès reste inconnue. À l'issue d'une rencontre avec son homologue béninois à Abuja, le président du Nigeria, Bola Tinubu, actuellement à la tête du bloc régional de la CDAO, a annoncé le départ pour le Niger du chef d'État béninois, Patrice Talon, en tant que médiateur. Je crois que tous les moyens seront utilisés, au besoin, pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger. Mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et la concorde. Donc, tel que le président l'a engagé, les actions de médiation seront renforcées, ce soir même, pour que cette situation s'arrange dans la paix. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix, on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Depuis mercredi matin, le président nigérien Mohamed Bazoum est retenu par des membres de la garde présidentielle après l'échec de pourparlers.